Je voudrais qu'on revienne avec vous sur le sujet de l'entretien du quatrième mois qui a été préconisé dans le plan périnatalité de novembre 2004 et proposé alors aux couples qu'ils désiraient de rencontrer un spécialiste de la naissance. Où en est-on aujourd'hui? Alors l'entretien du quatrième mois effectivement a été, comme vous l'avez dit, préconisé par M. Douste-Blazy après le résultat d'une commission de périnatalité qui avait fait une enquête. Il y a eu une évaluation, il a été mis en place d'emblée, il y a eu une évaluation qui a été faite sur la région Alsace-Lorraine, qui n'a pas montré d'amélioration médicale des choses, mais par contre qui a montré une grande satisfaction de la part des usagers. Pourquoi? Eh bien parce que cet entretien, comme son nom l'indique, est un entretien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'aspect médical qui est l'objet de la consultation. Et c'est là où il y a actuellement quand même un glissement de cet entretien. C'est-à-dire que dans beaucoup d'hôpitaux, on fait l'entretien du quatrième mois qui va servir à élaborer le dossier médical de la patiente. Et ça n'est pas l'objet. Cet entretien, il doit être fait pour discuter avec le couple en disant « Bon, ben alors voilà, il y a un bébé qui s'annonce. Comment vous le voyez? Qu'est-ce qui va se passer? Comment il s'insère dans la famille? À quoi vous pensez comme problème? Quels sont les sujets sur lesquels vous avez besoin d'être un peu plus aidé ?» L'objectif initial était aussi pour que l'on puisse exposer au couple tout ce dont ils pouvaient disposer autour d'eux. C'est-à-dire que moi, j'avais été frappée, par exemple, de voir des femmes désespérées parce qu'elles ne pouvaient pas accoucher à l'hôpital Antoine Béclair, par exemple, puisque je le connais bien. Et quand je discutais avec elles, je leur disais « Mais pourquoi vous voulez accoucher ici ?»« Ah, parce qu'il y a tout !» Ça voulait dire qu'il y avait énormément d'angoisse de leur part. Mais bon, une grossesse, c'est quand même un phénomène normal. C'est qui arrive chez des gens qui sont bien portants. Donc, il faut les surveiller. Mais tant que tout est normal, pourquoi déclencher toute la panoplie technologique dont on peut disposer? Et puis si elles ont un désir particulier d'accompagnement ou elles ont des craintes, ou... bon, ben, leur dire ben, vous pourriez peut-être vous diriger vers telle forme de surveillance, que ce soit une surveillance privée, par un médecin ou par une sage-femme, etc. etc. Leur donner en fin de compte une panoplie. Quand on discute avec les femmes et les hommes a posteriori, ils disent « Ah ben on n'a pas été prévenu, on n'a pas été informé ». Donc en définitive, cet entretien de quatrième mois est vraiment une source d'information pour eux.